Actes chapitre 12. Je vois maintenant que Dieu, voilà, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. C'est-à-dire tout ce qu'il a vécu là, il est passé, il pensait qu'il rêvait. Dieu va t'étonner, il va t'étonner. Et ceux qui attendaient, qui étaient prêts à voir la mort de Pierre, vont attendre longtemps. Je déclare sur ta vie que ceux qui attendent ta chute attendront longtemps. Ceux qui pensent que ta vie va s'arrêter, ils vont attendre longtemps. Et ils vont changer ta vie te concernant. Va demander à Paul. Ça, je ne vais pas en parler. C'était le premier niveau d'étonnement. Le deuxième niveau d'étonnement. Quand Pierre était en prison, la Bible dit quoi? L'église faisait quoi? L'église priait. Pourquoi? Pour Pierre. Pour que Dieu vienne délivrer Pierre. Ça, là, c'est le niveau de ceux qui t'aiment, de tes amis. Ceux qui croient en toi. Ceux qui veulent que tu réussisses. Dans le débordement, là, eux aussi seront étonnés de ce qui va t'arriver. Pierre est sorti. Pierre va, il dit, bon, ok, allons voir chez le frère Jean-Marc. Les frères étaient là-bas en train de prier. Pierre frappe à la porte. Les gens avaient peur. Parce qu'ils ont arrêté du débloc, on vient les arrêter aussi. Donc, c'est une qui s'appelle Rhode qui va voir qui est là. Elle va à la porte, elle n'ouvre pas, elle dit, qui est là? Il dit, c'est moi, Pierre. La Bible dit, elle a reconnu la voix de Pierre. Elle était tellement contente. Au lieu d'ouvrir la porte, elle a laissé Pierre dehors. Pierre est venu, oh, Pierre est là. Pierre est là. L'eau est là. Non, reste le verset 14 d'abord. Elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Elle est partie dire ce pourquoi on priait. On l'a reçu. On dit, oh, tu es folle. Ce que Dieu va faire dans ta vie va étonner tes amis. Va étonner ceux qui croient en toi. On va dire, ils ont dit, et même ils priaient pour que Pierre sorte. Pierre est sorti, maintenant on dit, c'est faux. Ce que Dieu va faire dans ta vie va étonner même ceux qui croient en toi. Ceux qui prient pour toi. Tu vas venir, si tu vas rendre témoignage au pasteur, lui-même va dire, Jésus est puissant. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils disent, si ce n'est pas folle, c'est que c'est son ange qui est venu. Alors, ils ne peuvent pas croire. Ils ne croiront pas, mais ils vont croire. Cette année, dans le débordement, tes amis vont être surpris. Tu vas dire à tes collègues, j'ai été promu. Comment? J'ai été promu. On m'a nommé directeur. On m'a nommé directrice. Ils seront surpris. Ils ne vont pas croire, mais ils croiront foncé. Quand Pierre est arrivé, il a vu les frères l'ont vu, et puis il est sorti. Le matin arrive. Allons-y au matin maintenant. Continuons. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Ils sont dans la cellule. La cellule n'est pas cassée. Les portes de la prison n'ont pas été fracassées. Eux, ils sont à l'intérieur, ils sont là, mais Pierre n'est pas là. Oh! Donc, eux aussi, ils ont été étonnés. Mais pour eux, ce n'est pas un étonnement. Pour eux, c'est l'agitation. Pour eux, c'est la confusion. Pour eux, c'est la honte. Pour eux, c'est la déchéance. Pour eux, c'est la... Oh, Mayanda Rabaka. Que Dieu étonne, que Dieu confonde tes ennemis. La Bible dit, il fut dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Continuons rapidement. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé. Frère, le roi lui-même va devenir enquêteur. Va devenir enquêteur. Ne l'ayant pas trouvé. Ils ont envoyé les gardes. Ils les ont envoyés au supplice. Mais ils n'ont pas trouvé. Ensuite, ils descendent. Ils n'ont pas trouvé. Dieu va confondre tes ennemis. Attends, dis-le à ton. Tell your neighbor. Qui est ton voisin? Tell your neighbor. Tu as une atmosphère prophétique. En 2024, il va t'étonner. En 2024, soit Dieu va t'étonner. Il va faire des choses étranges qui vont t'éblouir. Là où la il va te surprendre. Il va te surprendre. Il